je ne sais plus où est-ce qu'on est arrivé. Que vous le savez, je ne pense pas, vous ne pouvez pas me répondre. Mes super-héros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi et comme vous savez, tous les mercredis, on se retrouve pour voir ensemble un tuto danse. Cette semaine, j'ai donc décidé de varier les plaisirs et de vous apprendre une chorégraphie K-pop, celle de Jessie Nounou Nana. Personnellement, j'adore et j'ai découvert ça grâce à Clem qui tient le compte Instagram Life with Korea. Donc si t'as envie d'apprendre un petit peu plus sur la culture coréenne ou même d'apprendre à parler coréen, c'est parti, je te mets son Instagram dans la description de cette vidéo. En parlant d'Instagram, n'oublie pas de venir t'abonner au mien qui s'affiche juste par ici, d'activer la cloche. Dernière précision avant de se lancer, après j'arrête de parler, c'est promis. N'oubliez pas que cette vidéo est en miroir, donc lorsque je vous dis à droite, c'est à droite pour vous aussi. Et lorsque je vous dis à gauche, c'est à gauche. Les bases étant maintenant posées entre vous, j'ai moi, n'oublie pas le petit like, c'est parti. Cette fois-ci, on va démarrer les jambes un petit peu plus écartées que la largeur de son bassin. On va démarrer sur le 4, un 4 où j'ai les paumes de main qui sont ici à plat face. Mes doigts vont juste faire fermer et mon buste en même temps va faire de la droite vers la gauche. On fait une isolation du buste avec les mains qui ferment, ce qui fait 4. Et de là, elle dit colasso et la tête va juste venir faire devant côté pour ensuite venir changer mon poids du corps sur ma hanche droite avec deux petits rebonds et les doigts qui font ici viens, viens, ça fait sur colasso nou 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 na na. Donc la main gauche ici est sur ma hanche, la main droite coude hanche pour faire cha cha. La suite, donc on est arrivé ici, on va simplement ramener les pieds joints, avoir le bras droit en l'air, le bras gauche ici sur la hanche gauche et on va juste descendre et ça fait ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme et au dernier je vais juste ici remonter. Donc il y a une espèce de vague qui s'effectue ici du bassin vers le buste pour me remonter vraiment comme si ici quelqu'un me remontait à la surface. Pour ce qui est des temps, on va juste être là et ça fait 1 et 2 et 3 et 4, je ramène. Pour la suite, très simple, on va partir sur la droite et dans les bras, ça va simplement faire ouvre les bras, bras droit en haut, bras gauche en bas. Ferme ici, donc je viens aligner mes coudes et mes poignets pour ensuite venir ici. Mes deux poignets sont collés, mes bras sont tendus et mon regard est vers la gauche. Avec les jambes, ça va juste faire marche, ferme, reviens de face. On assemble les deux. Donc les deux assemblés, ça va faire, on est arrivé là, et 4, et de là ça fait 5 et 6. De là, une fois que j'ai le regard vers là-bas, je vais ramener mes bras sur le et à mes hanches pour pouvoir les monter et faire jambe droite, jambe gauche. Pose dans un mouvement assez circulaire, on va dire. On récapitule encore une fois, tout ça depuis le début. Donc on a dit, je commence les jambes légèrement plus écartées que la largeur de mon bassin et on commence sur le 4 avec les mains qui sont là et crac. Donc 1, 2, 3, 4. Classou, nou, 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 nana, descend. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7. 8. J'espère que ça va toujours et qu'il n'y a pas trop un effet de Jack Lantern avec cette lumière. On continue, c'est parti. Donc une fois qu'on est arrivé là, on a fait 7, 8. De là, j'ai la jambe gauche qui est levée. Je vais la poser derrière et là, je vais avoir mon bras en mode pistolet. Donc ça va faire tête, poitrine, buste et viens t'asseoir. Sauf qu'on va le faire en deux temps. Donc ça va faire 1 et une fois que je suis arrivée ici, une fois que j'ai le buste, ma main, ça va juste faire 2. Donc à 2, je vais venir ici m'asseoir dans ma hanche gauche. Mon bras gauche est ici. Mon bras droit va juste rentrer. Il faut vraiment qu'on voit ce toum, toum, ha. Une fois qu'on est ici, très simple, on va simplement changer son poids du corps à droite. Changer son poids du corps à gauche. Changer son poids du corps cette fois-ci. Déplacer son buste en diagonale. Et ici, venir mettre une tête. Si on fait que les bras, ça va faire ha. Ha, ha, reste. Si on, maintenant on fait les jambes et les bras, ça va faire, on est là. 1 et 2 et ça fait ha, 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 boum. Et je dois avouer que dans la musique, ça va un petit peu vite puisqu'on est là, ça fait 1, 2, 3 et 4 et pour enchaîner sur 5, 6 et ici c'est mon bassin qui va prendre le relais donc je fais demi-pointe qui commence le mouvement et mon genou qui va ici avancer vers l'avant, donc ça fait hey, hey, reviens direct, donc ça fait
lent, lent et. On a les mains qui sont toujours ici et sur les temps, ça va faire 5, 6 et. Pour ici, ramener la jambe à peu près vers la jambe gauche, la jambe droite. Et ici, ça va faire choum ha. J'ai mes bras qui viennent, le bras gauche sur le coude droit, qui vient ici, rentrer. Regardez, ça fait juste choum. Et je rentre pour venir ici. Donc ça fait et 5, 6 et 7, 8. Et sur le et, je vais juste lancer ma jambe gauche avec mon bras droit, ça fait juste choum. Pour poser. Et dans mon doigt, j'ai toujours le petit pistolet. Troisième partie que je juge la partie la plus facile du module. Donc on a fait 7, 8 et j'ai posé mon pied gauche, talon ici, flex. Et de là, on va juste faire le talon, on va faire ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Super facile, me direz-vous. Mais attention, ne pas s'y fier parce qu'il y a bien sûr des bras et un changement de niveau. Donc on est là, 7, 8. Et là, c'est direct. Je fais boum, ha. Donc, je change de niveau. Donc, je fais 1, 2, 3, 4. De là, mes bras sont le bras gauche sur ma taille et le bras droit est un petit peu ballant. Vous mettez un petit peu comme vous voulez. Le principal atout de ce mouvement ready, c'est la tête. Donc, vraiment, votre tête va accompagner votre talon et votre pied qui va ici ouvrir et fermer. Donc, ici, par exemple, je fais 8 et 1. Attention parce qu'on a tendance, moi personnellement j'ai tendance à faire ha, à vouloir plier. Non, le premier il est tendu donc ça fait 8, ha et 1, 2, 3, 4. De là, 5, 6. Donc sur 5, 6, j'ai mes deux pistolets qui sont à peu près vers mes hanches et je viens faire juste commande, commande, soit en traduction française, venez, venez. On a fait 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Pistolet, pistolet. De là, je vais fermer le pied gauche qui est devant pour faire juste ha, ha. Donc encore une fois, j'ai ma tête qui accompagne le mouvement qui va faire gauche, gauche. Donc toujours dans le même sens qu'on a fait, toujours à la gauche deux fois. Donc ici, on a fait venez, venez. Je ferme ici ma jambe gauche avec ma jambe droite. Mes deux poings se préparent ici pour pouvoir faire ferme, ferme. Alors, moi, je mets le poing gauche devant, le poing droit à l'intérieur. C'est pas dramatique si vous faites l'inverse, mais voilà, l'exactitude du mouvement, c'est droit, gauche, par-dessus. Donc on est là, ça fait ha, ha et bim, bim. Nous attaquons la quatrième et dernière partie de cette chorégraphie. C'est parti. Je vais attaquer avec le même mouvement qu'on a fait au début, soit celui-ci. Il faut vraiment sur ce mouvement que vous ayez la sensation que votre genou ici vient ramener comme une vague ici. Donc mon buste va derrière et ça fait ramène, plie. Derrière, c'est mon buste qui commence et ensuite mon genou ramène telle une vague pour reposer. Vraiment ici, il y a ce ha, ha. Et les bras vont vers le haut. Donc ici, on est là, on a fait hum, hum. Et derrière, ça fait 1, 2. Je vais poser, je vais aller mettre mon poids du corps sur la jambe droite. Mon bras droit va rester ici. Et là, je vais juste, avec mon pistolet toujours, tapoter trois fois mon visage pour faire 1, 2, 3. Le cou qui suit le mouvement. Et de là, mon pied va juste faire woum, woum. Et comme on adore jouer au foot, vous le savez, on va simplement faire pousse le ballon, pousse le ballon. Voilà, tu fais une jongle, une passe à ton ami Ronaldinho qui est là-bas sur le terrain. On est là, je reprends du début, on est là, on a fait ha, ha et ha, ha, ha. Ce qui peut être un petit peu déroulant, c'est qu'ici, avec ce bras-là, avec ce doigt, on fait 1, 2, 3. Mais avec la jambe, nous faisons 1, 2. Ça demande un petit peu de coordination, mais c'est possible. Juste, si vous n'arrivez pas à faire cette espèce de rond ici, c'est pas grave si vous faites juste houm, houm. Moi, je le prends un petit peu plus arrondi, un petit peu comme vous savez à la fête foraine, les manèges qui font comme ça, là, vous êtes assis, ça fait... Mais vous pouvez juste le prendre juste ha, ha, ha. Une fois que j'ai fait ça, ha, 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 je reviens ici de face pour faire talon vers la droite. Donc là, je vais juste pivoter sur mes demi-pointes. Donc ça fait ici, je ramène pour faire talon vers la droite, poids du corps à droite, poids du corps à gauche, poids du corps à droite. Et là, je vais mettre un petit rebond, un petit peu comme si je voulais reposer pour partir. C'est exactement ce qui va se passer puisque c'est exactement ce que nous allons faire. Donc ça fait juste rebond. J'ai ici comme si j'ai frappé une corde et que
Boum, ça me tirait sans m'appuyer sur le mur, bien entendu. Maintenant, nous allons rajouter des bras. Parce que vous en doutez bien, il y a des bras. Pour les bras, ça va juste faire ouvre, ferme, donne, jette. Donc là, c'est vraiment ouvre, ferme, vers toi. Donc vers l'intérieur, tu fais genre, j'en ai pas besoin. Mais j'en ai vraiment pas besoin. Donc c'est-à-dire que mis bout à bout, les bras et les jambes, nous allons faire boum, boum, boum. Reste, et là ça fait ha, 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 ha. Oui, et normalement là quand vous entendez tous ces contretemps, tous ces 5 et 6 et 7 et 8 et vous savez que ça va aller un petit peu vite, oui. Donc juste la partie ici pour avoir le rythme, pour que vous ayez une petite idée de ce que ça donne 5 et 6 et 7. Ça les ménage, je ne vous le fais pas dire. Normalement les amis, à ce stade de la chorégraphie, vous êtes toujours avec moi. Il ne reste plus qu'à reprendre tout ça depuis le début doucement avec les comptes et ensuite on le fera en musique. C'est parti depuis le début, n'oubliez pas qu'on commence sur le 4 avec les mains ici qui font c'est pas moi et les bras qui vont ici, les mains qui vont faire rock. Donc on est là, 1, 2, 3, 4. Krasu, kunsu, kuna, na. Et 1, 2, 3 et 4. 5 et 6 et 7, 8, doucement, 1 et 2, 3 et 4, tête, 5, 6 et 7, 8, ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7. Boum. On va se faire 3 fois en musique, une fois en vitesse moitié moins rapide, une fois un petit peu plus rapide mais pas en vitesse réelle, et la dernière fois en vitesse réelle. C'est parti, on y va. Dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quel style de danse vous préférez, et si tu fais partie de la communauté K-pop, j'espère que ce petit changement de registre t'a plu. Encore une fois, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. N'oubliez pas le petit like parce que ça fait grave plaisir à l'algorithme, mais faut pas se mentir, à moi aussi. Enfin bref, c'était pour moi parce qu'on est tous des super-héros. Bye. N'oublie pas de venir me rejoindre sur mon Instagram, c'est gratuit.